entend en coulisses un coq qui donne de la voix. Et puis, comme d'habitude, Antoine crie « C'est mauvais !» Sur quoi le régisseur sort en courant, tenant un vrai coq par le cou et hurlant « C'est un vrai, monsieur Antoine, c'est un vrai !» Et Antoine répond « Il est mauvais, faudra le changer. » Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne devrait pas tarder maintenant. Moi, je ne suis pas pressé. Tiens. Tu sais, j'ai dû attendre parce qu'ils avaient du retard. Donne-moi ça. Tu connais tout le monde ici, hein? Ma femme, c'est toi. Que dire d'un tel échec? Que d'autres ont réussi là où Laurent Messala s'est égaré. Grinçante, outrée, complaisante, expressionniste sans rime ni raison. Sa mise en scène est un salmigondi d'intentions contradictoires et d'idées prises à droite et à gauche, tant et si bien que si cohérence il y a, c'est celle du chaos. J'écarte d'emblée Nadine Chevalier, transfuge d'un certain cinéma sur lequel je garderai un silence charitable. Quant à Zimmer, cet acteur grotesque et grossier donne la plus pitoyable exhibition qu'il m'a été donné de voir. Laurent Messala, quittez ce métier que vous semblez aimer, mais qui ne vous aime pas. Attention ! Voilà ! L'oracle s'est prononcé. Oui, mais ça c'est Billy Mayer, mais les autres, ils vont bien reconnaître que c'est pas... Bon, on va pouvoir reprendre les petites annonces. Bon, maintenant, monsieur ! Mon manteau, monsieur, vous l'avez touché. Et alors? Et alors? Il m'a coûté très cher, ce manteau. Et comme je suis, par exemple, un homosexuel de bonne famille, je tiens énormément à mes affaires. Calme. Voyons, calme. Silence. Je n'aime pas votre espèce. Vous m'avez touché avec vos doigts de prolétaire. Si c'est ça que tu veux. Vous m'avez encore touché. Et alors? Oh! Ah! 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 Vous avez pas de mine, monsieur. Lâchez-moi. Attention, Pierre! Vous êtes aussi vulgaire que lui, ce sera parfait. Bonsoir. Pauvre Carl, il n'a jamais très bien supporté la...